Bonsoir, Carlo Cantar. Monsieur Cantar, comment allez-vous? Très bien, merci vous-même. Excellent. 351 de la rue France, secteur Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Fecteau, j'ai une question qui fait suite, là, j'en ai plusieurs. Moi, c'est pour le terrain senior. Le terrain, excusez-moi, je n'ai pas saisi. C'est le terrain senior. Le terrain senior. Il y avait 626 conseillers et conseillères actuellement sont présents ici quand cette décision était prise. Je posais la question. Il y en a qui me répondaient, c'était une entreprise privée que la ville n'avait pas accès à ça, cette question-là. Mais aujourd'hui, là, quand on regarde le terrain, vale 2,8 millions. C'est ça qui est sorti là, dans les médias dernièrement. Il y en a qui font des entrevues qui disent c'est pour désengager l'hôpital. Mais comme citoyen de Saint-Jean, là, ça me passe comme ça, M. Fecteau. Parce que l'hôpital est toujours engagé. Ma question, quand on dit les citoyens n'ont pas de moyens de payer, mais pourquoi qu'on donne un promoteur, deux promoteurs qui changent le nom, un à l'autre, là, pour arriver à l'autre monsieur en question? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que si l'UPAC trouve que la ville est coupable de ça, est-ce qu'il y en a des conseillers conseil qui va démissionner le poste ici? Bien, première des choses, là, c'est le dossier rendu avec à l'UPAC. On sait que l'UPAC ont fait des engagements. J'ai hâte de voir, parce que je regarde dernièrement, là, j'ai une crainte avec l'UPAC, parce que vous savez que dans les premières enquêtes qu'ils ont faites, ça s'est fait assez rapidement, puis rock'n'roll. Puis moi, j'ai un frère qui est dans GRC, puis quand il y a eu les nouvelles du prochain Shark, que le monde a voulu prendre la bouffée trop grosse. Malheureusement, on sait que ce qui est arrivé. Hein. Alors, j'ose espérer, puis dernièrement, on écoutait à la télé, là, que des. Je trouve que c'est long avant qu'ils déposent six accusations qu'il y a. Là. Ça nous agace beaucoup parce qu'on entend plein de monde faire plein d'allégations sans fondement. On est dans une démocratie de droit. Et oui, il y a des gens qui sont accusés, mais jusqu'à date, là, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Puis, ça fait combien de temps déjà, mais les plus anciens? 3-4 ans. 4-5 ans là, qu'on est là, ça salit des députations parce qu'il est trop tard, puis il n'y a rien qui va se récupérer. À date, on a vu ce qui s'est passé à Saint-Constant, Nelson, je pense, la maire. OK, il a amené des menottes à faire là, salit la députation, il est sorti de là, il n'y avait rien. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup à un moment donné entre la façon que les enquêtes sont faites. Puis moi, je vais vous répondre quelque chose qui est bien clair. Là. S'il y a des gens qui ont fait des malversations, qui ont triché, qui sont fait prendre, mais peu importe, bien, ils en subiront les conséquences, M. Cantar, point de ligne. OK? Maintenant, entre le dossier, encore une fois, je vais le lire tantôt, on peut prendre un dossier, là, avec la langue française, c'est la beauté de la langue française, puis on peut en faire bien des interprétations. Moi, je ne suis pas juriste, il y en a qui connaissent ça plus que moi, mais dans le moment, je peux vous dire qu'il y a des éléments dans ce rapport-là qu'on a eu d'informations, puis c'est pour ça qu'on a demandé des précisions, qui ne sont pas tout à fait là. Exemple, quand le maman marque dans son rapport que le terrain est vendu pour une pièce, ils ont juste oublié qu'il y a quelqu'un qui a semé le passif environnemental. Ça, ils ne l'ont pas indiqué. Puis, il y en a peut-être d'autres comme ça. Maintenant, qu'il soit transféré là y a pas, j'espère que ça ne surprend pas personne, c'est un automatisme. Le ministère des Affaires municipales enquête, il les envoie tous à l'UPAC, puis l'UPAC décide s'il y a matière à modification ou autre. En tout cas, ça semble être ça. Donc, s'il y a des gens pour répondre précis, s'il y a des gens qui ont triché, s'il y a des gens qui ont fait de la malversation, etc., bien, garde, on subira les conséquences. C'est ça. J'ai une autre question. Actuellement, il y a une rumeur qui circule dans un secteur précis que la ville va exproprier une partie de la rue Saint-Joseph ou qu'il y a le Dollarama, le magasin une pièce, et le suite pour ces deux propriétaires. Ça, là, il y en a un qui est vendu, ça, là, l'autre, c'est la ville qui va exproprier l'autre partie, la deuxième partie. Quel le secteur du Québec? Oui, c'est ça. C'est pas venu à mes oreilles. OK.
Ben, vous dites que c'est des rumeurs, là, je ne sais pas. C'est peut-être des informations qu'on ne détient pas. Mais pour de l'expropriation, c'est sûr qu'il faut qu'elle vienne chez nous. À date, on n'a pas eu de demande d'expropriation de ce coin-là. Bon, c'est ça. C'est la ville qui va exproprier ça. OK. C'est faux. Ma troisième question. Essayez de accéder un peu. Ma troisième question. Ma chronomètre à côté me, ouais, me chicane. Je le vois, là. Ma troisième question est courte. C'est au sujet de l'autobus 40, qui passe dans mon secteur. Cet autobus-là, M. Picto, il arrête directement, là, un peu partout, là. Okay? Il arrête directement sur le piste cyclable. Actuellement, les enfants qui vont à l'école en vélo, ben, il n'y a pas de place. Il est directement dans le coin, sur l'arrêt, sorti sur la rue France. Il est là. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose que l'autobus stationné à une autre place, là? Des fois, il était devant Bienvenue chez nous, là. Des fois, il est directement dans l'arrêt. Ou des fois, il est sur la rue France, à côté de l'école. Bien, l'entrée d'école, l'école. Ça ne me dérange pas s'il reste là, sur la rue France, mais au moins, ou que les enfants vont à vélo, bien, il est là. Madame la Présidente, Madame Dufresne est là, le prend en note, on va faire la valide. On va valider. Juste, c'est au coin de quelle rue et quelle rue? France et? France et Courville. Courville. France et Courville, pour l'école. Puis vous me dites que l'autobus est stationné là ou à ce gare-là pour prendre les gens? Non, l'arrêt est là, et c'est comme terminus. OK, puis il est stationné là, mettons, 20 minutes, 30 minutes? Je ne peux pas te dire c'est 20, 30 minutes. Je pense à peu près 45 et 10 minutes. Okay. Il éteint le moteur, tout, il est là. Pas dans, pas dans la piste, là. On va regarder ça. C'est bon. Merci. Okay. Merci. Moi, il éteint les moteurs pendant 5 minutes.